Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le but est de fixer un petit mât pour une antenne TNT. Mes premiers repères étaient faux. Je me suis souvenu que j'étais sur du béton armé. J'ai fait un repérage avec le détecteur Bosch. Cela explique mes deux repères différents. Suite à cela, je perce. Je commence par 4 pré-trous avec des forêts de 6 mm. Le perforateur Uneomax de Bosch est tout indiqué. Cela évite de devoir dérouler du câble électrique. L'important est de percer sans forcer et de laisser agir la machine. Puis, une fois les 4 trous finis, je passe aux forêts de 10 mm. Toujours sans forcer. Petit nettoyage avec une soufflette, histoire d'enlever tous les résidus dans les trous, puis le ciment chimique, suivi de la mise en place des tiges filetées. Donc maintenant, comme indiqué sur la notice du pack de fixation, le temps de séchage qui est important de respecter. D'une manière générale, je prends toujours un peu plus de temps qu'indiqué pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et la fin de l'opération qui consiste à la fixation du mât. Il ne reste plus qu'à fixer l'antenne, la pointer en direction de l'émetteur, et le tour est joué. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.